monde. Salutations à tous mes chers et mes chères. C'est assez simple. On continue ce qu'on avait à faire. この町が王都を守る最終奴らを王都に入れてはならぬ。土地を奪われ家族を殺されるぞ。そのことを肝に銘じてこの防衛線を。Niveau 37. Thank you.
ça semble risqué, mais bon. Qu'est-ce que je viens de faire là?
devrait gagner. Ça c'est vendre. Qu'est-ce que je prends maintenant? Oh. Ok, ça c'est correct. Ça c'est... Madag. C'est quoi? Ok. 5 sur un niveau 2. Meilleur parté. Bien que changer 7. Ça, c'est sanctuaire encore. Tout va bien. Sanctuaire. Porté. Le souci, c'est qu'on est clairement pas niveau. On n'a pas tous les niveaux pour y aller.
chercher une petite caillasse. Pas sûr de celui-là. Ouais, salut mon cher. Oui, je suis niveau 35. Puis je suis même pas assez haut niveau pour continuer l'histoire, imagine pas. Chapitre 4, je crois. Faudrait que je revérifie. Là. Je fais quand même. Oh. J'écris ça après.
Croiser un perso qui tient une boutique genre Wes au chapitre 4. Je sais pas. Je pense pas. Une petite caillasse pour lui. J'en sais pas plus. J'avoue que j'ai pas vraiment checké les noms des PNJ. Non, il est ténèbre mon dragon, mais j'aimerais bien qu'il soit justement un dragon d'aurore. Et j'ai pas réussi à avoir de carte encore de ça. C'était niveau 19 dans le chapitre 3, tu devrais bientôt avoir une forêt pour avoir les dragons. Moi c'est là que je l'ai pogné le mieux. Ben Wolfox, pour le jeu, ben, c'est un tactical RPG plutôt classique de Square Enix. Moi c'est sûr que j'aime, j'ai toujours, ben, j'ai adoré les Final Fantasy. Puis c'est juste qu'il est un petit peu plus corsé que les autres. Vu que le niveau y est bloqué par chapitre. Puis que si t'es pas habitué à la formule
Tactical Final Fantasy, c'est un petit peu rude. Mais sinon, moi j'aime bien ça, donc ça me va là. Je vais à cette forêt, mais j'ai tous les dragons sauf Lumière et Ténèbres. J'ai beau me replier, je les vois jamais. Ben en fait, pour le Lumière et Ténèbres, c'est pour tailler les cartes, je crois. Parce que moi, en tout cas, c'est une carte que j'ai eu pour le fois changer de classe à mon dragon, parce que je l'ai eu. Je sais même plus si c'était un dragon de quoi. Je pense que c'était un dragon de feu ou de terre. Mais je l'ai fait changer sa classe. Parce que moi non plus, j'ai pas vu de dragon de ténèbres et de lumière en sauvage. Donc je l'ai kill. Mais moi je sais que. Ouais, c'est pas mal ça, oui. Faut vraiment que t'es dessus. Parce que moi c'est le même que j'ai eu mon dragon de ténèbres. Ça en tue en un avec l'histoire. Mais moi je pense que c'est justement avec l'embuscade que j'ai ma carte. Mais je suis plus sûr là, faudra en faire un petit moment. Là, les petits pieds d'abord. Je sais même pas si on peut avoir des squelettes et des fantômes. Mais vu que la classe nécromancien doit peut-être avoir un lien avec ça, je sais pas. Sur eux, mais j'ai pas ce qu'il faut pour un peu de vent, mais je crois.
système et tactical RPG, c'en est un excellent. Hein? Il y a trois fins différentes. En tout cas, avec qu'est-ce que avec la logique de l'histoire, là, ça a l'air d'être ben, comme les D&D, c'est loyal, neutre, puis chaotique. Là. C'est vrai que les cartes côté visuel, c'est pas si ouf. Là. T'es obligé de gosser un peu avec les joysticks de même des fois, parce que le nombre de fois je me suis trompé de cause à cause de ça. Mais quand t'es habitué, ça va quand même assez bien. Là. Ben, pour le système de chariot, c'est le même style de système que dans les Fire Emblem. Là. Moi, personnellement, j'aimerais juste pas qu'ils crevent mes personnages. Donc, c'est sûr que c'est utile. Bon, les invités sont chiants à laisser en vie par contre, quand tu les offres encore avec eux, ils font n'importe quoi ou ils vont directement sur l'ennemi alors que t'aimerais qu'ils restent en arrière. Là. Mais dans mes souvenirs, qu'il y en a plus, je pense que c'est le seul justement. Je suis tous morts. Bon, pour l'instant, ils sont tous en vie là. Eux que j'ai pu avoir, là. Que eux que j'ai raté par scénario, là, j'imagine que je les aurai jamais. Ok, morale 3, good. Bon. On en fera chapitre 4.
droite. Bon. Avant de commencer ça, moi je fais une petite pause toilette. On va me remettre quelque chose à boire. Puis je reviens. Une princesse dans l'équipe. Une option. Ah, ok, oui, je me suis fait fumer là. Elle est morte. Morte dans le scénario en plus. On peut pas avoir de princesse dans ce temps-là. Yatsura o chōnai ya irete wa naran. Nan to shitemo koko de fusegu no da. Mais justement des dragons d'aurore. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs des dragons. Là. Thank you.
que dalle, ça. Comment ça, 1000? Ok. Commence mal. Ben trop de buissons dans ce pack-là.
Et le dompteur ennemi, il booste aux hormones en tout cas. Bordel là-dedans. Oh non, puis c'est pas là. C'est bien lui.
Yes. C'était elle, me semble, qui était super là-bas. Ouais. Maintenant c'est elle.
C'était un bon mob. Ah, je suis bloqué. C'est pas cool. Bordel. Thank you.
je le dépêche de le deuxième dragon. Envoyé fini. Gecko. Merde. Pas de carte pour le dragon. どうするつもりなのだね。バーニシアでは王女を失っただけではなく、今度は王都をわしから奪うつもりか。そろそろ高みの見物などはやめて、騎士なら騎士らしく戦っ。ゲーカ、おいか。おお、これは久しぶりですな。た苦戦されているご様子ですな。まるで人ごとのようなお言葉。もっともフィダック、バーニシア城をあっさりと奪われたローディス軍にはかっこれ以上笑われたくないのであれば、ここへ参ったのはゲーカに別れの挨拶を述べに参り、なんだと。言葉には気をつけていただきたいもの。そもそもゲーカが我々の言う通りにしていれば、王女の件にしてもそうです。ゲーカが担がれているエルティナハ家の傀儡を廃し、速やかに君主の座を譲っておきさえすれば。わからぬのかゲーカ。このわしが敗れただと。バルバス、血迷ったか。あんたの時代は終わったんだ。連れて行け。Bon. Sur ce, je vous laisse pour ça. Je vais me faire une pause et je somme à aller jouer à Pokémon tard. Donc, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ou pas tout à l'heure, tout simplement. Allez, bye mes chers et mes chers.